Les États-Unis d'Amérique, ce grand pays qui fait chier tous les autres, était autrefois peuplé d'Indiens imbéciles et bornés qui refusaient de nous céder leurs terres en échange de kiosques à cigarettes. Il a fallu des pionniers courageux et fiers pour réduire au silence ces traces de dégénérés et de sauvages. Ce sont ces hommes qui ont fait la ruade vers l'ouest avec Frank Billaway, Alistair Rappaport, Blundell Flaxton, Robin Legitimus et introduisant Barbara Sandwich. L'épisode de cette semaine, Duel à McCallahan City. Alors, Renure, tu joues pas? T'énerve pas, pas de poule. Quatre as et sept fermiers. Facile. Cinq as et huit valets de pique. J'ai gagné. Tricheur. Fils de pute, je te défends par ma fille, maman. Sacré frérot, on s'amuse. C'est qui l'imbécile qui ose s'attaquer aux jumeaux Billy et Bob, Billy Bob? Ouais, c'est qui? C'est moi. Joe McPherson! On croyait que tu étais mort! Je ne le suis plus. Pas pour longtemps. Faites pas cette tête d'enterrement. Décidément, ça manque de musique ici. Dizzy, serre-moi une bière. Serre pas de bière au salon. Serre-moi un whisky alors. Et balance-moi le courbut de la caisse. C'est moi qui fais la loi ici maintenant. Ça m'étonnerait. Aussi vrai que je m'appelle le shérif McElwain et que je vais débarrasser la ville de ta présence, satané Joe McPherson. Tu vas voir que je vais te trouver la peau et qu'on va se servir de toi comme moustiquaire après, ouais. Ah ouais? Eh bien, répétez-moi donc tout ça. J'ai pas compris. Ça m'étonnerait. Aussi, sacré Joe, comment vas-tu? Vous avez le jeton, mon shérif. Les jetons? Eh, pas du tout, j'ai pas de jetons sur moi, ouais. Je ne vais jamais au casino. Ici, s'il vous plaît, ne me fait pas. Mais ma parole, vous avez fait dans votre franc, et les gars, le shérif a fait dans... C'est mal propre, mais ça marche toujours, ces trucs. Allez, Daisy, emballez-moi ça, c'est pour emporter. Bravo, shérif. Vous serrez de la main, Sacré shérif, vous prendrez bien un verre avec nous. Tant que je porterai cette étoile, je ne boirai jamais. Vous allez m'excuser, mais je dois aller pendre un Indien innocent qui est accusé d'avoir volé une carotte au magasin général. Depuis que ma femme Winnie a été capturée par les Apaches. Ah tiens, je croyais que Winnie était partie avec Burt Bradford, le prospecteur. Tant que j'aurais pas tué le dernier des Apaches. Shérif, c'est pas des Apaches qu'il y a dans la région. Ici, c'est des pieds noirs. Les pieds noirs, c'est des Apaches qui se lavent jamais les pieds. Shérif, pourquoi? C'est pas, je pensais que t'allais dire quelque chose. Et moi? En 40 ans de métier, j'ai jamais tué une dame. On commence aujourd'hui. Fais, j'en ai aucune idée.